Nous sommes sur le stand de la CIMA pour vous présenter une nouveauté 2013, la MASH 75. Donc pour mémoire, MASH, c'est une marque qui est développée par la CIMA. Et également pour mémoire, l'année dernière, on avait pris les commandes de la 70. Alors qu'est-ce que c'est que le concept 70? C'est une machine néo-rétro, simple, fiable, économique, qui se singularise par une belle finition, une moto donc qui est très valorisante. Aujourd'hui, la CIMA pousse le concept encore plus loin avec la 75, une moto dans l'esprit scrambler. Donc les références à Triumph, Steve McQueen, La Grande Évasion, tout ça sont bien présents sur cette moto. Ça se traduit évidemment par des pneus mixtes, usage route et chemin. Le tank pad, donc les tampons qui sont appliqués de chaque côté du réservoir pour caler les genoux, et une selle plus épaisse. En fait, seul le moteur et le cadre sont communs entre la 75 et la 70. On retrouve donc le monocylindre 125 cm3 refroidi par air, deux soupapes alimentées par carburateur qui développe ici 11,5 chevaux. Le châssis ne bouge pas. En revanche, comme vous pouvez le constater, tout le reste de la moto est vraiment spécifique à la 75. Une fourche inversée, des amortisseurs arrière spécifiques, frein à disque à l'avant et à l'arrière, les jantes sont spécifiques, forcément le tête fourche est propre également à cette moto. Bref, une vraie petite réussite qui va s'afficher dès le printemps à 1990 euros.